Tu es cerné, pauvre lâche! Essaie quelque chose contre moi et tu vas voir, tu iras directement en prison. Alejandro et Miranda ont une copie de tous les documents qui t'accusent. Alors tu vas devoir nous tuer tous les trois. Tu n'as pas d'échappatoire, Raimundo. C'est la fin pour un égoïste qui a vendu pendant des années une image qui ne lui correspond pas. Et moi, je vais le prouver, Raimundo, moi! Où t'es-tu fourré, Andreina? Où t'es-tu fourré? Pourquoi risques-tu ta vie inutilement? Je suis sûr que tu as été à la clinique te confronter à cette ordure. Mais je ne permettrai pas qu'il te nuise. Je serai toujours à tes côtés. Et comment se comporte cette Linda, hein? La vérité, c'est qu'une fille assez énergique, appliquée, une fille amicale, très sympathique, sociable et tout. Mais parfois, elle est aussi comme tombant amoureuse facilement, je ne sais pas. Excuse-moi, mais je suis en train de devenir un peu trop bavarde. Oh non, ne vous inquiétez pas. Cette femme, vous savez, je sais ce qu'il en est. Oui, parfois je la vois comme très élancée, coquette. Eh bien, qu'elle aille à la charge sur quelqu'un d'autre, pas sur ce macho de Manolo. Et que ça lui vienne pas à l'esprit de retourner voir Cheo, parce qu'alors je perdrai vraiment tout contrôle. Écoutez, délicieux ce petit café, mais je dois aller promener les petits, alors je m'en vais. Bien. Allons donc. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Yasmina. Bonjour Julia, comment ça va? Beaucoup mieux. Parce que maintenant, je suis près de mon bébé jour et nuit, tu vois, donc imagine-toi. Je peux m'asseoir un moment? Oui, oui, bien sûr, assieds-toi. Pardon. Il faut que je te raconte quelque chose qui ne... Que j'ai ici, tu vois, dans la gorge obstruée. Bah, il s'agit de... Manolo et la doctoresse, la Linda. Waouh! Prête. Bon, maintenant je vais te demander que tu me donnes quelques minutes, d'accord? Ok, pas de problème, je t'attends dans la voiture. Hmm? Ça va aller vite. Je redescends tout de suite. Je monte, je vois que tout est en ordre. Et je descends, ok? Ok. Ne traîne pas, hein? Je vais pas traîner, je te le promets. Quel corps, ma chère. Formidable, Manolo. Formidable. Oh. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors tu as vu Manolo et la doctoresse en question faire joujou. Écoutez, et quoi, tu es jalouse? Pas du tout. Je te jure sur mon gamin que non, Yasmina. Vraiment, pour rien au monde, ton frère ne m'intéresse. Écoute, moi, je suis juste en train de te dire que j'ai vu Manolo et cette doctoresse se bécoter un peu. Ce n'est pas pour me disputer. C'est juste que moi, je supporte pas les hommes qui trahissent, tu vois. Et en plus, Purita ne mérite pas non plus que Manolo se comporte de cette manière avec elle. En plus, elle est enceinte. Bien sûr que non. Mais ne t'inquiète pas, je vais en finir avec cette aventure, aussi sûr que je m'appelle Yasmina Martinez de Pacheco. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Mais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme est à l'intérieur. Elle doit être là-bas, à l'intérieur. Et toi, tu pars? Ouais, je m'en vais. Bah vas-y, si tu veux attendre quelques instants, je t'emmène. Non, Manuel, t'inquiète, tranquille mon frère, tranquille. Et qu'est-ce qui t'arrive là? Eh bien, en fait, je me dépêche avant que ma vie père de sœur arrive. Parce que c'est vrai que, tu sais comment ça se passe. Il y a un petit problème et si Pura arrive, tu m'as pas vu, s'il te plaît. Tu m'as pas vu, hein, rends-moi ce service et arrête de faire cette tête. Sois tranquille, tu sais comment ça se passe, allez. Aïe, aïe, aïe. Sacré Manolo. Bonjour, mon amour. Salut. Ça fait longtemps que tu m'attends. Non, mon amour, non. Ouais. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Quoi? Cette aventure est sérieuse, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'ils manigancent, ces deux-là? Hein, Cheo, tu dois savoir, parce que sûrement Manolo te l'a raconté. Alors fais-moi plaisir et dis-moi immédiatement ce qui se passe entre ces deux-là ou tu auras un problème avec moi. D'accord, d'accord. Tu ne t'ennuies pas, si? Ne pense pas à mal. En plus, voyons, il est tôt, Purita, il est tôt, donc Manolo doit être en train d'arriver. Oh, Purita, ne le harcèle plus. Mon ange, ne le harcèle pas, parce que là, c'est sûr, tu vas compliquer les choses. Qu'est-ce que c'est, Purita? Et maintenant, tu parles toute seule? Non, Vicky, c'est que je me sens horrible. Je me sens horrible parce que tout me fait douter. Un geste,
un mot, un salut, n'importe quoi, Vicky. Écoute, je suis en train de devenir folle. Bon, Purita, écoute. Rappelle-toi comment disait la grand-mère, hein? Reprends la corde, mais donne petit à petit. Hmm? Et toi, où vas-tu? Tu es si jolie. Ah. Bien, c'est que je vais au ciné. J'ai mis ta veste. Elle te va très bien. Et toi, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Nous allons tous ensemble, allez. Non, Vicky, mon cœur. Moi au ciné? Oui. Non, non, merci, Vicky. Je ne vais pas sortir sans le dire à Manolo. S'il te plaît, Purita, quoi? Tu lui laisses une note ou non? Et puis, tu le dis à Caïto, allons. Non, mon cœur, écoute. Allez-y, vous, et amusez-vous, d'accord? Amusez-vous et moi, je reste ici à attendre mon mari. Bon. D'accord. Comme tu veux. Mais... tout ça va changer quand tu commenceras à travailler à l'auberge. Mais je te dis une chose, si c'est vrai que Manolo a la petite aventure avec cette doctoresse, ils vont en voir de toutes les couleurs, hein, Pura. C'est que, écoute, je meurs d'envie de voir par un petit trou de souris la tête qu'il va faire lorsque cet homme te verra là-bas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre deux? Ah, Théo, je sais que tu le sais, alors dis-le-moi maintenant. Mais et pourquoi je devrais le savoir? Moi, je ne m'occupe pas des affaires des autres. C'est qu'il ne s'agit pas des autres, enfin. Il s'agit de mon frère et de la saleté qu'il est en train de faire à Pura. Ma chérie, ça... Chut. Tu vois dans quel état tu te mets, hein? Reste tranquille, ne t'occupe plus de ça, d'accord? Évidemment, comme toujours, tu es complaisant, hein? Les hommes entre vous, vous cachez vos égarements. Et comme Pura n'est pas de la famille, ça t'est égal ce qui se passe, bien sûr. Ah, oh, c'est pas que ça m'est égal, mon cœur. Si c'est important ce qui se passe, c'est que c'est une affaire d'homme. Laisse-moi, je m'en charge tranquillement. Allons, ma chérie, on y va? Ah, tu t'en charges. Allez. Tu vas voir, mon amour, comme je vais lui rabattre ses airs de chevalier servant à cette crapule. C'est que j'ai préparé une surprise. Tu vas voir. Mon cœur, fais attention avec ta petite surprise. Mm-hmm. Hein, n'oublie pas que tu es enceinte maintenant, mm-hmm. Hein? Écoute doucement, mon amour. Rien du tout, mon chéri. Tu verras que sa seule femme, c'est Pura, point. Et ne lui sert pas d'entremetteur. Non, je sais que c'est comme ça. Oui, certes. D'accord. Et tu es... Tu fais le fou. Non, tu es l'unique femme que j'ai. Mon unique petite vipère. Ma petite Menteur. Vipère. Hein. Adorée. Hein. Allez, non, on y va. Non, tu n'es pas avec une bécoteuse parce que vous êtes tous et les mêmes. Ne lui dis pas. Bien sûr que non. Non, ne lui dis pas. Mais enfin, c'est de l'abus. Allez, laisse-le Comment vivre. Est-ce que tu peux croire une chose mais pareille? Mais c'est sa vie. Ah, mais tu ne sais rien. Les armes que je possède en tant qu'ennemi, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Évidemment que je les connais bien. Je les ai vécues en chair et en os, avec mon père. Tu as oublié? Ce sont les seules armes que tu possèdes. Celles de traîtres. Celles de corrompus. Celles d'aventuriers. Ferme-la, sors d'ici, sorcière. J'arrive. Mon Dieu, Andréina. Andréina, mon amour. Federico. Andréina. Oh, prends-moi dans tes bras. Federico. Oui, mon amour, oui. Serre-moi fort. Federico. Oui, je suis là, avec toi, oui. Serre-moi. Je suis avec toi. Serre-moi, Federico. Mais enfin, où peut être Andréina? Elle nous a pas habitués à disparaître ainsi. Et encore moins dans une situation comme celle qu'elle rencontre. Écoute, elle ne serait pas allée au casino? Non. Je suis passée par là avant de venir et Javier m'a dit qu'elle n'était pas revenue. Ah. Allô? Ah, Federico, que s'est-il passé? Tu as trouvé Andréina? Quoi? Avec Raimundo? Et que lui a fait ce misérable? Évidemment. Oui, emmène-la, s'il te plaît. Ok, je t'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Federico l'a retrouvée dans la rue, prise dans une crise terrible. Elle a eu affaire à Raimundo. Mais comment? Ce type n'était pas enfermé dans une clinique? Ah, ce type est un fou. Si tu avais vu ce que moi j'ai vu... Andréina ne devrait pas s'exposer comme ça. Mais nous sommes tous ici pour la protéger. Et pour démasquer ce menteur appelé Raimundo Lombardi.
Bon, mon amour, t'es sûr que c'est le film qui va le voir, hein? Oh, oui, Nacho, arrête de m'embêter. Celui-là est bien, d'accord? Oui, Nacho, bon. Je t'en prie, écoute, je pense que c'est un film très romantique. Bon, ça, ça va comme ça, si ça va pour toi. Ah, bien sûr. Oh, nous aurions dû entrer dans la salle à côté où il passe une petite comédie vraiment super. Oui, bien sûr. Les dessins animés sont meilleurs. Oui, mais ne va pas le dire à ton fiancé. Remarque que Monsieur Alejandro n'a plus vu de dessins animés depuis un certain temps, tu ne crois pas? Bon, assez, taisez-vous. Non, c'est pas possible. Regarde, Saul, regarde là-bas. C'est mon frère. Mais c'est pas Pura. Mais ça, on l'a vu, merci. Mais alors, c'est qui cette femme, c'est qui? Un chocolat pour adoucir ses précieuses lèvres, hein. Délicieux. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être avec toi, tous les deux. Ça me ravit. Moi aussi. Merci. Tu as entendu des critiques sur le film? Il parle de quoi? Non. Et toi? Eh bien, je pense que c'est une histoire d'amour et de douleur entre deux amants. Et tu sais qui est l'auteur? Non. Peut-être qu'il nous connaît. Hein. Tu crois pas? D'accord, hein, attention Manolo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je vais rien lui dire. Salut. Bonjour Pura. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bien ma chérie, et toi? Génial, et Manolo, il n'est pas venu avec vous? Non, Manolo est il est encore occupé. Ah, bien sûr, il a beaucoup de travail. Oui. Bon, en tout cas, il doit arriver ici dans un petit moment, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et Vicky? Quoi, elle est repartie? Oui. Ah, merveilleux, l'enfant obéissant revient toujours à la maison. Oui, formidable. Oui. Je suis si contente parce qu'enfin, Vicky est comme ma petite sœur, comme, enfin, mon amie, non? Oui. Elle me manquait beaucoup. Oui, oui. Elle vient d'aller au ciné avec ses amis. Imagine-toi qu'elle m'a invitée, mais moi, je ne vais pas me promener sans Manolo. Évidemment. Bon, vous m'excusez, je vais sortir la poubelle. Très bien. Allons. Et bon, bah, on y va. Ah non, non! Ah, mais c'est que regarde, ce que j'ai envie, c'est d'attraper ce Manolo et de l'étrangler. Mais tu vas voir, mon petit chéri, comment je vais ruiner la fête de cette canaille. Non, chut, qu'est-ce que tu vas faire, Vicky, hein? Arrête, chut, tranquille. Arrête, comment ce que je vais faire, hein? Mais tu vois pas ce qu'il est en train de faire à Purita? Ce que je vais lui faire, c'est aucunement comparable avec ce que cet idiot est en train de faire. Alors je te jure, je vais le tuer. Attends, tranquille Vicky, hein, calme-toi, tu restes ici, d'accord, hein? Quelle énergie, là, Manolo. Aussi voyou que ce qu'on peut voir. Regarde-le, mettant les cornes à cette pauvre Purita. Non, qu'elle a effronté, vraiment, sincèrement. Écoute, Nacho. Ces choses, je ne les supporte pas, tu m'entends? Pour que tu le saisisses. Non mais vraiment, t'as vu? Mais attends, pourquoi tu me dis ça? Tu crois vraiment que je vais faire un truc pareil? Non, pas de petite folle, pour que tu le saches, tu entends? Bon alors, le congrès des vipères et vous-même... Ferme-la! Mais tais-toi! Mais tu vois, on est très en colère, enfin! Plus encore, car je ne veux voir aucun film. Allons-nous-en d'ici, oui vraiment, je ne supporte pas ça, allons-nous-en. C'est bon. Écoute, le film va commencer là, alors on reste ici tranquillement voir le film, et puis c'est fini avec Manolo et tous ses problèmes, d'accord? Sérieusement? Excellent. Bonjour Rita. Est-ce que mon père est ici? Non, monsieur, mais enfin, il n'est pas à la clinique? Il y était, Rita. Il s'est échappé sans permission de sortie. Ah, oh, eh bien, oui, il m'a appelé, mais seulement pour demander si Madame Andreina était ici. Nous allons certainement devoir passer par les lieux qu'il fréquente. Un grand merci, Rita. De rien. Où a pu aller cet homme après un problème de santé aussi énorme, Rita? Mais qu'est-ce qui arrive à Raimundo? Mon Dieu, cet homme, mais il est complètement fou! Arrête de regarder! Arrête! Quoi? Mais c'est bon, laisse-le! J'avais mais pas compris. Mais arrête-toi, enfin! Hein? Bah quoi? Ça va, je te dis juste que... C'est pas possible. Ah. Il s'est fatigué à m'offenser. M'humilier, me menacer. Il a remué avec sa méchanceté toute la douleur qui m'a marquée depuis que je suis enfant. Ah oui, ma chérie. Regarde, lui, il va se retrouver tout seul. Andreina, regarde, c'est un misérable, c'est un rustre, hein. Il est désespéré, il n'a pas de porte de sortie de secours et c'est pourquoi il essaie de te faire peur. C'est tout. Bien sûr. Et il est prêt à faire n'importe quelle bêtise, Andreina.
Oui, mon amour, oui. Allez, va te reposer. C'est un moment très traumatisant pour toi. Oui. Je t'appelle plus tard. J'ai quelque chose à faire. Federico, oui, tu veux parler de ce type, hein? Alors je vais avec toi, d'accord? Non, non, s'il te plaît, vraiment, écoute. Il est impossible de faire marche arrière. Oui, écoutez, déjà cet homme a commencé à payer tout ce qu'il a fait. Pourquoi vas-tu le chercher? Il n'en vaut pas la peine. Miranda, je n'ai pas du tout envie que les choses restent comme ça. Ce type doit payer et va payer pour tout, avec toutes ses conséquences. On peut savoir ce que tu fais ici, habillée comme une princesse, des pieds à la tête, Raïsa? Ça ne t'intéresse pas. Il se trouve que j'ai beaucoup d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec la mode. Oh, Raïsa, mais c'est que la curiosité me ronge. Oh, mon petit chat, contrôle-toi. Il est préférable que tu cherches ta mort naturelle. Ah, Raïsa, comme je te connais, ma chérie. Oui. Écoute, toi, tu vas à la chasse. Ah, Grégory, mais depuis quand es-tu aussi vulgaire? En plus, je te trouve très agressif. Moi, je ne fais pas partie de celle-là. Plus le contraire. Ce sont les hommes qui essayent de me chasser, moi. Ah, regardez-la, elle. Écoute, mais autant que je sache, dernièrement, personne n'est en train de te tourner autour. Parce que je ne veux pas, Grégory. Parce que je n'ai qu'une âme, une disposition et une vie pour mon unique et grand amour. Ah oui, je sais, ne me nomme pas, je le connais par cœur. Écoute, ma chérie, tu n'aurais pas pensé à la possibilité d'avoir une aventure avec Javier Montero? Soudain, ça te remonte le moral, non? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à ça. Eh bien, pense-y, mon cœur, pense-y. Regarde qui arrive là-bas. C'est bon, je l'ai vu, hein. Oh, mais cette infâme n'était pas en train de mourir? Ah non, ici, il va y avoir un problème, hein, parce que où celui-ci apparaît, il y a un problème. C'est tout bénéfice pour toi et de loin, mon amour. Ah, mais quelle belle surprise, beau papa. Quel plaisir de te voir. Mais tu es plus vivant que jamais. Et voilà que tu es ici. Raimundo Lombardi n'est pas seulement un chef d'entreprise corrompu, mais aussi un lâche. Et il est temps que quelqu'un lui apprenne à respecter les femmes. Et tu crois que ce monsieur, avec l'âge qu'il a et l'aigreur qu'il charge en lui, il va apprendre la vie à cet âge? Écoutez, vous pouvez l'oublier, s'il vous plaît. Mais j'ai besoin de le faire. Ce type est la raison pourrie de tout ceci. Andreina, tes parents ont été ses victimes. Toi, Miranda, a été maltraitée constamment par ce sujet. On se revoit plus tard. Federico, s'il te plaît. Laisse-le. Remarque qu'il y a des choses dans la vie qu'un homme ne doit jamais passer sous silence. C'est vrai. Écoute-moi, malgré tout, je le comprends. Si j'étais un homme, je lui aurais cassé la figure en quatre. À ce rustre. Raimundo Lombardi est une honte pour un homme de la taille de mon grand-père. Moi, je suis ici parce que j'en ai envie. Et toi, comme toujours, de la main de ton nécessaire de couture. Aïe, non, tiki, nous allons commencer là. Écoutez, je ne supporte pas ça, je n'accepte aucune insulte de quiconque, quel que soit son nom. Alors, si je peux me permettre, good night. Bon, eh bien, toi, tu t'amuses beaucoup à mes dépens, on dirait. Tu ne viens ici que pour te saouler avec cet abruti, en oubliant le marché que nous avons conclu. Ah, Raimundo, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Non, je pense que toi, tu es en train de perdre ton pouvoir de séduction. Pardon? Eh bien, tu as laissé gagner la partie à cette moins que rien de Miranda Valadares. Un moment, Raimundo, sans parler à tort et à travers. Remarque que je ne suis pas de très bonne humeur. Et la séduction, pour ta gouverne, a son rituel. Et ça, c'est un pouvoir à nous, les femmes. Blablabla. Sornette.
Écoute-moi bien. Il n'y a plus de marché. Alors, Eva, pour toi. Et toi, un whisky double, avec des glaçons. Raimundo, tu es fou ou bien saoul? Parce que je pense que dernièrement, tu as perdu de ta prestance. Tu sais que tu ressembles à un espèce de d'idiot du quartier. Chut, tais-toi. Eh bien, alors arrête de dire des sottises. Ça va. Va faire ton travail, alors. Et voyons si... si l'imbécile de Montero est arrivé. T'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est un ordre. Allez. Vicky, attends, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Ce film était... Bon, enfin, Ferdie, je sais pas trop. Si on me demande comment c'était, je sais pas tellement répondre. Parce que alors comment as-tu trouvé le film, mais arrête, Manolo? Mais calme-toi. Hein? Il t'a plu ou tu n'as pas pu regarder l'écran, hein? Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Te voir et te voir avec cette blonde oxygénée, bien sûr, et le bécotage que tu as fait pendant 2 heures. Tu as été très intense, non? Arrête, Manuel, Vicky. Tu connais cette jeune fille? Laisse-moi bien faire. Entendu qu'il la connaît. Tout le monde ici la connaît. Quelle honte, Manolo! Non, quel insolent tu fais! Je t'ai vu de mes propres yeux, tu entends? Je t'ai vu et je ne pouvais pas y croire! Mais pour qu'est-ce qu'il vous arrive, hein? Ah! Demande à ce chevalier servant de pacotille ce qui vous arrive. Arrête. Voyons, quel bobard tu vas inventer sur nous, chut, maintenant. Allez, allez, ça va, ça suffit. Comment ça, allez. Allons? Quel lâche. Allez. Bah alors, qu'est-ce que t'as? T'as eu un problème avec tes freins? Je vais lui casser la figure. En allez. Tout cas, Pura va tomber de vraiment haut. J'en reviens pas. Ouais, c'est un peu incroyable. T'as vu ça? Franchement... Andreina, que vas-tu faire? Chercher Federico. Je suis sûre à 100% qu'il est allé au casino rejoindre Raimundo. Bon, mais peut-être qu'il ne le trouvera pas. Écoute, pressentant Raimundo comme je le devine, il va chercher Javier Montero. Et je ne peux pas rester ici à bout de nerfs, ça me tue. Bon, je suis d'accord avec toi, mais tu sais quoi, il vaut mieux que tu te calmes avant de sortir ou quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu partes seule. C'est que je ne peux pas attendre Miranda, je dois partir maintenant. Javier Montero vient d'arriver. Il est dans son bureau. Ce dégénéré va savoir qui je suis. Aïe, quel imbécile! Oh, quel animal! Moi, je ne supporte pas! Il m'a marché sur le pied! Oh, où est-il, ce furieux? Aïe. Il va tuer. Hein? Tuer? Oh. Il ne manquait plus que ça. Fédé est arrivé. Il sera très fidèle à la petite veuve Obregón. Mais il n'a pas perdu ses vieilles habitudes de joueur. Ah non, petite, il n'est pas en train de jouer. Hein. Bon, les fois où je l'ai vu, il ne s'est même pas approché de la roulette. Que fais-tu ici? Comment es-tu entré? Enfin, je te trouve, ordure. Comment es-tu entré dans mon commerce? Je t'ai interdit l'entrée. Tais-toi, espèce de voleur. Non, non. Ici, il n'y a qu'un voleur et c'est toi. Tu as volé ta propre famille. Maintenant, tu ne sais pas comment annuler la dette. À qui as-tu vendu mes Lâche-moi. Actions? Lâche-moi. Dis-moi à qui tu les Lâche-moi. As vendues. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu les as pariés. Tu les as perdus. Irresponsable. J'espère que tu ne l'as pas dit à cette clocharde. Cette clocharde Obregón, n'est-ce pas? Parce que je suis capable de te tuer. Qu'est-ce que cherche cette femme ici, dis-moi? Qu'est-ce que je vous m'indigancez tous les deux? Je n'ai absolument aucun compte à te rendre. Et tu respectes cette femme malheureuse. Sortez-le d'ici. Sortez-le. Voleur. Dehors. Voleur. Je te trouverai, voleur. Je ne sais pas comment ils ont laissé entrer cet homme ici. Tricheur. Imbécile. Allô? Bonjour. Javier Montero à l'appareil, du Grand Casino. J'ai besoin d'une patrouille dans mon établissement. Un homme perturbe l'ordre.
Oh non, pauvre Purita. C'est clair. Je vais te dire c'est pas les enfants, les enfants, les enfants. Oh, mais allons, allons. Alors qu'ici, nous avons le poseur de corps numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein, d'accord? S'il vous plaît, silence. Les enfants, s'il vous plaît, je vous en supplie, jouez un petit peu le jeu. S'il vous plaît, n'allez pas répéter ça à Purita. S'il vous plaît, ça servira à rien, hein? Il faut voir que toi, tu es vraiment gonflé, Manolo. En plus de la saloperie que tu lui as fait, tu viens et tu nous attends ici, caché comme un lâche, c'est ça? Sincèrement, j'ai honte que tu sois mon frère. Baisse d'un ton, d'accord? Par la voix basse. C'est pas ça, Sorette, c'est pas ça. Écoute, vous pouvez pas comprendre, les choses sont pas comme vous le pensez, d'accord? Et pourquoi je pourrais pas comprendre, Manolo? Moi, je suis un homme aussi, hein? Mais part tout bas, d'accord? Fais-moi plaisir. Tu fais n'importe quoi! T'es devenu fou! Tu t'es marié avec Pura! Elle attend un enfant de toi, en plus! C'est pas possible! C'est pas ça, mon vieux, c'est pas ça! Vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas. Écoutez, je suis pas un monstre, je suis un être humain, vous comprenez ça? D'accord? C'est une petite escapade, c'est tout. Une petite escapade? Enfin, une escapade avec baiser et tout compris, non? Écoute, Manolo, tu te trompes fortement si tu crois que je vais cacher cette tromperie à ma sœur Pura. Parce que ça, je vais le dire à Purita moi-même. Parle, arrête, tais-toi. Tricheur, tu es un tricheur. Enfin, lâche-moi maintenant, lâche-moi, vas-tu me lâcher? Je vais mettre en pièces cet endroit où se bousculent les clients, mon vieux. Lâche-moi alors, lâche-moi, je connais la sortie, lâche-moi. Écoute, mon tiro, tu me le paieras. Je suis une personnalité dans ce pays, mon vieux. Oui, une personnalité. Parmi les vagabonds et les escrocs. Ah, toi, tu vas te taire aussi, espèce de profiteur, hein? Ce que tu veux, mais maintenant, tout de suite, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé avec Andreina. Je t'ai demandé de te taire. Qu'est-il arrivé? Le profiteur, c'est toi. Qui vit avec tout ce que tu voles à ta famille? Ferme-la, sale type, tu es un sale type! Mais pas un misérable comme toi, voilà ce que tu es! Beau parleur, tu es un raconteur de sottises! Enfin, moi, je ne parle pas pour parler! Ça suffit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quelqu'un doit lui régler son compte à ce misérable, Leonardo! Respecte mon père! Je ne respecte pas les misérables qui bousculent les femmes, tu m'entends? Leonardo, ça, s'il te plaît, Leonardo! Pour ton manque de respect! Oh, Leonardo! Imbécile, c'est celui-là qui te tient lieu de faire, ce misérable qui est un imbécile! Que se passe-t-il? Tu es la personne la moins qualifiée pour accuser mon père de quoi que ce soit! Tu m'entends? Misérable. Leonardo, tu es aveugle, tu ne te rends pas compte du genre de père que tu as, c'est lui qui doit aller en prison! Leonardo, s'il te plaît! S'il te plaît! Tu es aveugle, tu ne te rends pas compte du genre de père que tu as, c'est lui qui doit aller en prison! Leonardo, s'il te plaît. S'il te plaît, il ne le mérite pas, reste tranquille, il n'en vaut pas la peine. Suceurs de sang, vous êtes tous une bande de suceurs de sang. Suceurs de sang aussi. Toi, tu t'es enfoncé dans ta propre boue. Tais-toi, mon vieux. Tu t'es enfoncé, monsieur Montero. Policier, voici l'homme. Ah non, vous l'emmenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Dehors, qu'est-ce qui se passe, l'emmenez. Montero? Mais que vous arrive-t-il, monsieur? Comment pouvez-vous faire ça, mon père? Écoutez, il est venu m'insulter, m'agresser et a fait un scandale ici. Un petit moment. Je connais mes droits, lâchez-moi! Vous allez me lâcher! Non, allons-y, non, monsieur, oui, allons-y! Un instant, je connais mes droits, enfin! Vous ne laissez pas l'emmener, madame! Vous ne... Ça suffit, je connais mes droits! S'il vous plaît, non. D'accord! Je suis un citoyen respectable! Vous n'allez pas nous laisser faire, lâchez-moi! Ça va, madame, tranquille! Ne t'inquiète pas, papa! Emmenez-le! Allons avec lui, allez! Emmenez-le! Écoute, Montero! Tu me le paieras! Écoute-moi bien, tu me le paieras! Tu auras de mes nouvelles! Je peux t'assurer que tu auras de mes nouvelles! C'est sûr! Ah, et toi, c'est pareil! C'est ça, ouais! Va-t'en, insolent! Misérable! Vous paieront, ils me le paieront! Ton mec va lâche! Vous garantis qu'ils me le paieront! Vicky, s'il te plaît. S'il te plaît, petite. Qu'est-ce que tu vas y gagner si tu dis ça à Pura? Lui ouvrir les yeux pour qu'elle se rende compte de la crapule qu'elle a pour mari. Alors enlève-toi de là, Manolo. Viens ici, ma fille, s'il te plaît. Viens ici, souviens-toi que... Vicky, souviens-toi, s'il te plaît, que Pura est enceinte. Comment? Et tu ne t'en souviens pas quand tu sors avec cette décolorée? Brunette, tu es ma petite sœur. Tu es ma petite sœur, convainc-la, toi, s'il te plaît. Convainc-la, Pura ne peut pas être mise au courant, enfin. Je préfère ne pas écouter ce que t'es en train de me dire, Manolo. Partons, Nacho. Mais attends, Manolo, bonne chance pour assumer tes conneries. Et qu'est-ce qui t'arrive, espèce d'idiot? C'est ça. Vicky, ma fille, s'il te plaît, écoute-moi. On va enfin, parler de... Enfin, lâche-moi. Écoute-moi. Vicky, écoute. Je te jure que cette fille ne signifie rien pour moi, je te le jure. Tu fais partie des pires, Manolo. Parce que tu as une femme... belle, jeune, qui t'adore,
Et toi, tu lui fais les cornes. Ce que tu es, c'est... Non, ne prononce pas ce mot ici. S'il te plaît, il n'y a pas de cornes. Non. Écoute-moi, c'est pas ça. Enfin, je sais que je me suis trompée, ma fille, mais je sais, je l'ai trompée aussi, mais j'aurais pas dû, c'était une escapade. Allons, Manolo, allez, vraiment, ça m'intéresse pas, toutes ces explications. Tu les donneras à ta femme, parce que celle-là qui est ici n'est ni la vitrine de personne, alors avec ta permission... S'il te plaît, ne me fais pas ça, enfin, écoute-moi un petit peu. C'est un problème entre Pura et moi. Tu vas détruire mon mariage, Vicky. Non, Manolo, c'est bon, excuse-moi. Mais ici, le seul qui est en train de détruire son mariage, c'est toi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Allez, je veux pas perdre Pura. S'il te plaît, ne lui dis rien. Ne lui raconte rien de ceci, d'accord? S'il te plaît. Yasmina! Bonjour. Salut, comment Bonjour, ça mon va? Bonjour mon chéri, comment Génial. Ça a été? Bah écoute, ma petite brunette va te raconter. Ouais. Parce que moi je suis fatigué, je vais dormir. Bonne nuit mon chéri. À demain. Que s'est-il passé, Cory? Cheo est ici? Cheo? Oui, mais il prend son bain et il va faire une petite course jusqu'à l'aéroport. Il va emmener Madame Elisa et son mari qui vont dans cette direction et il va les déposer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je te raconte quelque chose qui m'est resté là. Tu ne devineras jamais qui nous avons vu très décontractés au cinéma se bécotant avec une femme. Qui ça? Notre frère. Ah, il va au cinéma avec la doctoresse, c'est ça? Ah, parce que tu la connais, Yasmina? Viens ici et tu me racontes qui est cette fille, d'accord? Tu la Attention connais Attention à mon ventre, Cory. Mais c'est qui? C'est une fille comme ça, de taille moyenne, avec les cheveux un peu décolorés. Oui, une idiote comme ça, oui. C'est elle. C'est que, écoute, cette fille travaille au foyer. Et cette femme n'arrête pas de persécuter Manolo toute la journée. Elle sait qu'il est marié, elle sait que Manolo est marié. Et demande-moi si ça l'intéresse, hein. Eh bien non, pas du tout, elle s'en fiche. Ah, ces deux-là ont un de ces culots. Ah, je ne peux pas le croire. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi Manolo n'arrive-t-il pas, hein? Ne pense pas à mal, Pura, ne pense pas à mal. Reste tranquille, rien de mal n'est en train de se passer, hein. Il avait certainement beaucoup de travail au foyer, il est resté très tard. Oui. Ne pense pas du mal de ton pauvre mari. Ces deux-là ont une aventure depuis un moment, ma fille. Et Cheo ne veut pas que je m'en mêle. Mais comment est-ce que je pourrais ne pas m'en mêler? Enfin, comment est-ce que je pourrais? Mais ce crétin de Manolo, comment peut-il faire une chose pareille à Pura? Je ne suis pas d'accord avec cette aventure, Corina. Et qu'allons-nous faire? Écoute, nous allons rester tranquilles et ne pas faire trop de scandale parce que Cheo m'interdit que je fasse des histoires à Manolo. Bien sûr que je vais lui en faire. Bien sûr que je vais m'en mêler, enfin. Toi, tu restes tranquille, j'ai un plan en tête. Ah, et quel plan, Yasmina? C'est que j'ai trop de peine pour Pura. C'est que je ne vais pas pouvoir la regarder en face. Chut, je te dis de rester tranquille et prends-en de la graine pour ne pas être aussi aveugle avec cet Alejandro. Tous les mecs sont pareils. Alejandro, non. Alejandro aussi, enfin, Corina. Alejandro et tous ceux qui ont les chromosomes XY. Écoute, Corina, tous les hommes sont infidèles par nature. Alors pense-y bien et tu vas voir, ma chérie. Nous verrons si tu apprendras de l'expérience des autres. Tu dois t'en aller en faisant aller ta langue de vipère, en te libant les griffes. Écoute. Encore une petite chose, Manolo vous a vu. Ah, évidemment qu'il nous a vu. Et en face, il était tout effrayé parce qu'il s'avère que Vicky l'a menacé de le dire à Pura. Et bon, qui sait si elle l'a pas déjà dit, si l'histoire a déjà commencé. Oh, moi, ce qui me fait peur, c'est que Pura perde son bébé à cause de la tristesse. Mais enfin, mon garçon, qu'est-ce que croit cette entretenue de Federico Carvajal? Comment ose-t-il m'accuser, moi, ce crétin, hein? Et si tu te taisais pour une fois et tu adoptais une attitude plus sensée? Sensée? Et puis quoi encore? Rien du tout! Et à Javier Montero, à celui-là, je vais exiger! Je vais faire en sorte qu'il détruise ce tripot, qu'il le ferme! Moi, en vérité, c'est que je ne sais pas quoi lui dire, monsieur Montero. Je suis vraiment anéantie par l'attitude de mon beau-père. Quel dommage pour vous. Non. C'est un accro au jeu. Il est tombé dans son propre piège. Ici, on n'oblige personne à jouer. C'est sa décision personnelle. Ici, ce n'est pas un lieu clandestin. Ici, travaille un personnel nombreux. Je paie mes impôts. C'est un commerce légal.
Monsieur Montero, vous pourriez peut-être me dire, s'il vous plaît, ce qu'il se passe exactement avec Raimundo Lombardi. Oui, Alejandro. Comme je te le dis. Ils l'ont emmené à la préfecture. Sucre ? Bon, j'imagine qu'ils sont en train de l'interroger. Sucre ? Oui. Non, non, tranquille, Federico. Et moi, sommes avec elle. Deux, non ? Deux. Non, Alejandro, ne t'inquiète pas. Ta cousine est bien ici, chez moi. Oui, oui, merci. Ok. Nous nous voyons demain. Ciao, ciao, merci. Bonjour, d'Alejandro. Ah, mon Dieu, oui, c'est pour vous. Ah, merci. Nina, mais c'est quoi cette coiffure ? C'est que je veux changer de look. Ah, merci, Nina. Raimundo ne veut pas se rendre compte du problème qui lui tombe dessus. Oui. Ce monsieur fonce sur tout le monde en s'en foutant de tout, comme s'il était complètement fou. Sincèrement, je regrette pour Leonardo, vraiment. Parce que lui, parfois, a une conduite si irrationnelle, si instable. Mais c'est un bon gars. Et d'un point de vue professionnel, oui. C'est un homme totalement dévoué à son travail. C'est un battant. C'est lui qui a mené les entreprises au niveau qu'elles occupent aujourd'hui. Excusez-moi. Bon, je regrette. Vraiment. Pour mon grand-père Salvador. Il ne mérite pas une telle honte. Je regrette pour toi, mon ami. Essaye de ne pas me juger, s'il te plaît. Comprends-moi. Tu as autant souffert que moi, Miranda. Tu me comprends, oui? Je lui demande pourquoi, là-bas, ils ont ressorti une série de qualificatifs qui réellement m'ont laissé sans voix, perplexe. Quel voleur, quel escroc! Qu'est-ce que c'est que tout ceci? Eh bien, vous allez m'excuser, mais je ne suis pas de ceux qui énumèrent les actions de Monsieur Lombardi. Cherchez les informations dont vous avez besoin au sein de votre propre famille. Ou allez poser la question à Madame Obregón. Elle vous dira tout sur ce monsieur qui ne mérite pas le moindre respect. La vérité, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus intriguée. Mon seul objectif est de mettre fin aux excès de cette personne que je ne veux plus jamais voir ici dans mon établissement. Vicky, mon enfant, s'il te plaît. Ma fille, s'il te plaît. Ça sert à rien d'angoisser inutilement Pura. Allez, s'il te plaît. Allons, Manolo, oui, mais vraiment, mais tais-toi. Et arrête de supplier, parce que ça, c'est vraiment idiot. Parle tout bas, s'il te plaît. Tu es celui qui est à l'origine de toute cette histoire en agissant comme un idiot à la tête vide. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, alors que tu t'es déjà bécoté une fois avec Julia? Mais enfin, ça a été un produit d'une beuverie, d'accord? C'est rien du tout ça, ok? Et ça, ça a été un produit de quoi? Parce que je te vois et tu es en pleine forme, Manolo. Bah écoute, s'il te plaît, je te le demande vraiment, comme une faveur. Promets-moi que tu ne vas pas le dire à Pura, s'il te plaît. Je ne te promets rien. Et prie Dieu, Manolo, qu'il ne lui arrive rien de mal à Purita, ni au bébé, parce que tu ne pourras pas vivre avec ça dans ta conscience. Comment osent-ils, ces suceurs de sang? Ils m'accusent d'escroc, moi! Je vais les poursuivre et je vais détruire cet endroit parce que j'en ai envie! Est-ce que tu vas la fermer? Tais-toi, tu es en train de t'enfoncer en parlant trop de cette affaire. Ah ouais. Tu ne peux pas parler sans attaquer, papa. Et toi? Tu devrais me défendre et tu ne défends ni ta famille, ni ton nom. Et c'est ce que tu devrais faire, ça. Et ce que tu dois faire toi aussi. Protéger ton nom et ta famille. Soigner ta conduite et ne pas tomber dans les excès, chose que tu ne fais jamais. Allez, Leonardo, s'il te plaît, laisse-le tranquille. Tu ne te rends pas compte qu'il traverse un moment difficile? En plus, nous commettons tous des erreurs dans la vie, non? Et je ne considère pas non plus être assez irréprochable pour le juger. C'est l'homme qui nous a donné la vie et nous commettons tous des erreurs. Et alors, premièrement, je suis ton père. Est-ce que je ne veux pas être? C'est un complice de toutes tes escroqueries. Mais... Comment? Mais comment oses-tu? Je ne te... Ne me manque pas de respect. Que el tiempo oscurece de esas miradas que ya